بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساهلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيه لها ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم والشرار مهم محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة أخوات حياكم الله On va donc reprendre dans ce cours l'explication de l'œuvre nommée Boulour Al-Maram. Donc, dans le dans la jurisprudence, on avait complété il y a maintenant un moment le livre de la prière, ou plutôt, le livre de la purification, Kitabu Tahara, puis Kitabu Salat, le livre de la prière. Et ensuite le livre de la zakat aussi. Kitabus Zakat, on l'avait fait aussi. Naam. Donc là, on va entamer et en plus, Allah Akbar, wa -alim, on entre dans le, dans le mois de Ramadan. On est le troisième du mois de Ramadan. Et le fait est que la suite du livre se porte sur le jeûne. Le livre du jeûne, Kitabus Non. Donc ça tombe très bien. Voilà. Alhamdulillah. Euh, on entame donc un nouveau chapitre, un nouveau livre. Donc il y a une introduction, comme à chaque fois, avant de citer les ahadiths euh, qui se rapportent au thème. Non. En introduction, il est donc dit dans la langue, dans la langue, donc la langue arabe, As-Siyam, As-Siyam, et c'est en sorte, et ce n'est pas un signe, pour information, ce n'est pas le Siyam, c'est le s. Le som, le siem. Donc dans la langue, as désigne la simple abstention. C'est-à-dire dans la langue hors religion, on ne parle pas du jeûne. as dans la langue arabe, c'est la simple abstention, s'abstenir d'eux. Ainsi, on dira de celui qui garde le silence qu'il est Sa'im. Car il s'abstient de parler. Il est Sa'im. De la même manière, Mariam. Mariam a dit j'ai voué. Dans le Coran, elle dit « J'ai voué au miséricordieux un vœu de silence à As-saum ».« Surat Maryam », verset 26, dans le sens. « J'ai voué au miséricordieux un vœu de silence ». Ce qu'on appelle à as-saum ». Dans la terminologie, maintenant, religieuse. « Fiddin ».« As-siyam », ça désigne l'abstention. Donc toujours, l'abstention. Mais là, c'est l'abstention d'une personne en particulier, d'un individu précis. Motivé par une intention, a de choses déterminées en un temps spécifique. Oui. Ou encore, on pourrait résumer en disant que c'est l'adoration d'Allah en s'abstenant de tout ce qui rend le jeûne du lever au coucher du soleil, il y a plutôt une erreur ici, je le dis. Soit de traduction, soit dans le livre. C'est rapporté dans fath jalal wal iqram Mais ce n'est pas du lever au coucher du soleil, mais plutôt de l'aube au coucher du soleil, comme vous le savez sûrement. wallahu Alem, si c'est une erreur de traduction ou une erreur, tout court. En tout cas, c'est incorrect de dire euh, que le jeûne débute au lever du soleil. Au shourq. C'est plutôt au Fajr, à l'aube. Donc, L'abstention dans, dans la terminologie religieuse, c'est une personne, qui a une intention, d'accord? L'intention de faire des choses déterminées, à savoir s'abstenir de ci, de ci et de ça, en un temps spécifique, à savoir de telle heure à telle heure. Donc l'adoration d'Allah, d'une personne précise, d'accord, qui a une intention. Et l'intention est très importante. La personne qui n'a pas l'intention de jeûner, même si elle jeûne, ce n'est pas valide. C'est comme l'intention de se purifier ou l'intention de prier. La personne qui fait les mouvements de la prière mais qui n'a pas mis nia de prier, sa prière ou sa pseudo-prière ne vaut strictement rien. Une personne qui prend une douche, qui a l'eau qui touche tout son corps, mais qui n'a pris qu'une douche, n'a pas mis d'intention de se purifier, il n'est pas pur pour as-salat. Oui. Alors que la personne qui a mis cette intention-là juste avant, mais a fait la même douche que l'autre, est pure. Donc l'intention est très importante. Hein? Sinon, c'est simplement une faim et une soif. Mais ce n'est pas une adoration. Donc c'est une personne en particulier qui a une intention, voilà, et qui fait des, des, des choses dans un temps bien déterminé. Voilà ce qu'est le, le, le jeûne et ce à quoi on s'adonne, Inch'Allah, en ce moment. Qu'Allah nous le facilite. Justement le jeûne du mois de ramadan on va en parler ici il a été imposé au mois de sha'ban de l'an 2 de l'égir. C'est à dire pas dès le début c'est pas dès le début de la révélation simplement en 2 de l'égir d'accord au mois de sha'ban donc celui qui quoi qui précède, on sait il y a sha'ban, ramadan shawwal sha'ban c'est celui qui est juste avant ramadan il a été imposé ici afin justement que les croyants se préparent à jeûner le mois prochain, à savoir le mois de Ramadan. Ainsi, les savants sont unanimes pour dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a jeûné neuf mois de Ramadan. Il l'a jeûné neuf fois, puisque il est mort naam, euh, après ces neuf années-là, donc en onze de l'Égypte. Le jeûne du mois de Ramadan est donc un pilier de l'islam, comme c'est connu. Il est une des plus grandes impositions, comme cela est indiqué par le Coran, la Sunna et l'unanimité des, des savants. Allah a dit Ô oh vous les croyants, ô oh vous qui croyez, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Surat al dans le sens du verset 183. Autrement, le prophète a dit l'islam est basé sur cinq piliers, il les a énoncés il mentionna notamment le jeûne du mois de Ramadan. Rapporté par Al-Bukhari ou al muslim. Et les ahadiths concernant son imposition sont très nombreux. Et les musulmans sont unanimes pour dire que celui qui renie son obligation est mécréant. Tout comme hein, celui qui renierait la prière. C'est un pilier de l'islam. Et il doit être effectué. D'accord. Pas d'ambiguïté à ce sujet donc. Quant au mérite du jeûne, ils sont mentionnés en de très nombreux ahadiths également. Parmi lesquels, toutes les œuvres du fils d'Adam sont pour lui. Sauf le jeûne car il m'appartient. Et c'est moi qui le récompenserai. Quand on dit toutes les œuvres du fils d'Adam sont, sont pour lui, c'est-à-dire que la récompense, l'âme est soit connue, d'accord, soit c'est une chose en vérité qui concerne la la personne en elle-même, c'est sa prière. Le jeûne, le jeûne, bien sûr, la prière, vous à Allah, bien sûr. Mais le jeûne, c'est quelque chose de secret, tant dans le fait de le faire, dans l'accomplissement, que dans la récompense. Le jeûne, il appartient à Allah et c'est lui qui le récompensera comme il le veut. Personne ne connaît réellement là la récompense du jeûne. Le jeûne comporte de nombreux secrets et de nombreuses sagesses. Parmi lesquels, Premièrement, il compte parmi les plus grands actes d'obéissance. Car il est un secret, comme je vous le disais, entre le serviteur, hein, le abd, et son seigneur, Rab. Et c'est là le summum dans le respect du dépôt. D'accord Il ne peut pas, à moins la personne qui clame comme ça, <laughs> mais il ne peut pas y avoir l'ostentation, ou pas de la même manière que comme quand on prie, ou quand on récite le coran, ou quand on fait ceci ou cela, des choses apparentes. Personne ne sait qu'une personne jeune, si elle ne le divulgue pas, à part bon, Ramadan, où c'est connu, mais autrement, personne ne sait qu'une autre personne jeune, si ce n'est Allah, ça ne se voit pas. Ça ne se perçoit pas. Deuxièmement, le jeûne, il permet de se parer du mérite de la patience, et il en faut. Hein? Car en jeûnant, on réunit les trois formes de patience. On patiente dans l'obéissance à Allah, on patiente dans l'abstention de toute désobéissance, et il y a aussi la patience sur les décrets douloureux d'Allah. Pourquoi Quand on jeûne, quand on jeûne, on s'efforce. Bon, déjà, c'est une adoration en soi, le jeûne, on l'effectue. Mais on s'efforce de pratiquer les actes de piété. D'accord Également, on s'efforce, et c'est ça le jeûne le plus complet, n'est pas simplement de s'abstenir de rapports sexuels, de nourriture et de boisson. Ça, c'est le jeûne des gens du commun. C'est le minimum. Mais plutôt, le jeûne réel, comme l'a dit Ibn Qudam al-Muqadisi, le jeûne des gens du commun, je voulais citer le jeûne des gens du dessus, c'est ceux qui s'abstiennent, naam, des péchés. De la langue, des yeux, etc., des oreilles. Et le jeûne de l'élite, de l'élite, des gens du dessus, du dessus, c'est le jeûne de celui qui chasse toute futilité, toute pensée pour autre qu'Allah de, de son cœur. Toute négativité, toute chose. Et il le chasse de son cœur. C'est pas simplement il s'éloigne des péchés. C'est elle se purifie le cœur. Ça, c'est le jeûne le plus parfait qui soit. Elle mourait. Ça, c'était bon pour l'anecdote aussi, à le, à le rapporter. Hein? Car là, nous facilite à jeûner de la meilleure des manières. Donc, ce jeûne-là permet de se parer du mérite de la patience dans son entièreté, car il réunit les trois formes de patience la patience dans l'obéissance, dans cette action, je répète, du jeûne en soi, et du fait. On accomplit un Salat, on va réciter le Coran, ceci et cela. Également, si on est pointu dans son jeûne, eh bien, la patience dans l'abstention des désobéissances, on ne va pas faire comme si, on ne va pas faire comme ça. On jeûne aussi avec le, 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 le corps, l'esprit, ce n'est pas simplement une abstention de manger et de boire, mais on s'abstient du mal et aussi une patience. Une patience. Sur les décrets douloureux d'Allah, ici. Donc, la patience sur les décrets douloureux d'Allah, c'est de manière générale. On doit faire preuve de patience euh, par rapport à ce qui nous déplaît. Et on dit, quand une chose nous est désagréable et brise notre nefs, plutôt que, oh pourquoi, ou les blasphèmes, ou les insultes, ou les gens qui, comme ci ou comme ça, parmi les, les kuffar, ou les musulmans malheureusement très ignorants, on doit dire, qaddar Allahu wa masha fa'al. C'est-à-dire, c'est le décret d'Allah, c'est le destin qu'Allah a créé, et il fait, et il fait ce qu'il veut. D'accord Donc cette patience-là, c'est de manière générale, mais à, à, à proprement dit pour asrième c'est le fait d'avoir faim, d'avoir soif, ou là d'être fatigué, d'être comme ça. C'est ce genre de patience sur cette douleur-là. Donc dans une journée de jeûne, on doit faire des actes d'adoration, on doit s'abstenir des péchés, et on patiente parce que c'est pas une chose que le Nefs aime à moins d'un Nefs qui commence à se redresser. C'est-à-dire... La base, la base, un musulman qui va jeûner dans le début de sa foi ou dans le début de ses mois de Ramadan, en tout cas, ça va être la difficulté, la douleur. Il va dire, on voit beaucoup de jeunes, malheureusement ou moins jeunes d'ailleurs, qui se plaignent, j'ai faim, j'ai soif, j'ai mal à la tête et j'en ai marre et ceci et cela. On ne dit pas que le jeûne, il est caduque parce que la personne elle a dit ça. Même une personne, elle ferait les péchés. Tant que c'est ce pas un annulatif du jeûne, on ne dit pas que son jeûne il est caduque, il est rompu. On dit simplement que la récompense elle est diminuée, elle est diminuée. Et ça, c'est le début. Plus un œuf s'il est maté, plus il éprouve du plaisir dans l'adoration et dans l'obéissance à Allah. Et le jeûne est une obéissance. Et quelle obéissance et quelle adoration à Allah. Donc, au début, la patience sera amère sur cette chose-là, dans le, le fait de s'abstenir de ci et de ça. Ce sera difficile. Et après, ce sera délicieux. Et plus ça ira, et plus ce sera délicieux. C'est pour ça qu'il y a des gens qui jeûnent beaucoup, même en dehors du, du mois de Ramadan. Ils éprouvent du plaisir, ils sont sereins, ils aiment à se passer de ça. Parce que le nefs, il a appris hein, à se canaliser et à se retenir. Et c'est qu'une question de mater son nefs. Le jeune, c'est l'éducation. C'est une école, le jeune. C'est une université, c'est un institut. De quoi Apprendre à canaliser, voire même à briser son nefs. dire si tu lui dis, oh mon âme, c'est moi qui commande. C'est moi qui commande. C'est pas toi qui me dis, je veux, je veux. Non, parce que de telle heure à telle heure, tu n'auras rien. Et elle se retient. D'accord Plus c'est difficile, plus c'est qu'il y a à travailler sur la foi, plus ça devient facile, plus la foi augmente. Wallahu alim. Donc, ça, c'était déjà deux mérites. Hein. Ça compte parmi les plus grands actes d'obéissance parce que c'est un secret. Et puis, on conjugue toutes les formes de patience, n'est-ce pas Troisièmement, il est une expérience de la privation et de la faim qui rappelle aux serviteurs les bienfaits continus d'Allah sur lui. Ainsi que ses frères pauvres qui vivent cette privation tout au long de l'année. Donc c'est un souvenir, c'est une mémoire. Dans le sens où tu te dis moi là aujourd'hui, j'ai faim, j'ai soif effectivement mais ce n'est ce n'est que pendant une période bien définie. Mon frigo, il est plein en vérité. Et le cellier contient des bouteilles d'eau et tout ce qui s'ensuit. J'ai tout ce qu'il faut, mais il y a des gens, il y a des pauvres qui vivent cette privation tout au long de l'année et même le soir, ne savent pas avec quoi ils vont rompre parce qu'ils n'ont même pas fait une journée de jeûne à la base. Ils, ils n'ont rien pour rompre. Ce n'est pas un jeûne d'ailleurs, même qui serait dans une, un cadre d'adoration, parce qu'on a vu, c'est une question de NIA, que tu aies de la nourriture ou pas d'ailleurs. Mais il faut une intention. T'as des gens, c'est même pas qu'ils ont l'intention de jeûner, c'est qu'ils n'ont rien à manger. Donc c'est un souvenir. Et quatrièmement, et il y en a bien d'autres, et je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui écouteraient ce cours et qui seraient friands d'informations sur comment les Salafoussal les et faisaient, ou bien alors le jeûne et plus de détails et plus de sagesse, à revenir à ma série d'audio. Euh, une série de 18 audios qui se nomme, une playlist qui se nomme les séries de Ramadan, que j'ai fait euh, en 1438, donc à savoir en 2017, euh, il me semble, hein, voilà, il y a deux ans, il me semble, voilà, Alem, je crois bien, oui, oui c'est ça, 2017, Ramadan 2017, et j'avais introduit sur le sujet, évoqué les sagesses, parlé des salaf, évoqué les annulatifs, les permissions. Et donner euh, des conseils et des indications sur, sur ce mois. Donc, c'est une... Je vous enjoins, c'est une injonction à, à aller un petit peu euh, euh, étudier, plutôt que de poser euh, 10 000 questions, euh, soit le dernier jour, hein, avant le premier ramadan, soit dans les premiers jours, parce qu'on ne sait pas trop comment faire. Ça se prépare, un minimum. Bon, maintenant, on est dans le mois de ramadan, c'est un peu tard pour préparer, mais il n'est pas trop tard pour bien, bien continuer et bien finir, Inch'Allah ou Donc, il y a... Des audios à disposition. Là, ça va être bref l'introduction, il n'y aura pas plus de détails. D'accord Mais voici une quatrième sagesse tout de même, et je l'avais déjà évoqué dans cette, dans cette série. Il comporte des bienfaits, bien sûr, ce jeûne-là, pour la santé du corps. Le jeûne est un repos, une purge accordée à l'appareil digestif. Un temps pendant lequel il cesse d'être rempli et ainsi il reprend force et vitalité. C'est très important. Et ça, même les médecins kofar, ils le disent. Il y a rien mieux qu'un mois de jeûne dans l'année. Allahu akbar nous l'a prescrit. Il y a énormément de signes pour ceux qui réfléchissent. C'est comme ça n'a rien à voir avec le jeune, mais je me permets ici de le dire. Ils se rendent compte en 2017 ou 18 que le Sea a des vertus et ils commencent à le commercialiser. Eh oui, le Sea Walk, ils Miss Walk, Sea a des vertus pour les dents, pour les gencives et ceci et cela. <laughs> Même l'estomac, vous savez, les petits morceaux du bois d'Arak. Que parfois sont, tombent dans la bouche, bon pas en période de jeûne bien sûr, s'ils sont mâchés et avalés, en vérité ça a des vertus digestives aussi. Alors on va voir vraiment beaucoup de, beaucoup de choses. Et ils se rendent compte que ce bâtonnet là eh, purifie la bouche et les dents, la laine et tout. Et ils en vendent ou alors ils font même une pâte avec ça, etc. Mais on n'a pas attendu. Ça fait 1440 ans que ça a été annoncé, environ. Ça fait, ça fait 15 siècles que ça a été annoncé. De la même manière. De la même manière au sujet du coucher et du sommeil. 2019, sur M6, récemment, on apprend, on apprend incroyable, des chercheurs, hein, ils ont cherché, hein, attention, Allah Akbar, ils ont cherché, que, ils ont cherché et trouvé donc, que le fait de se coucher sur le ventre n'est pas bon. Pourquoi Parce que ça favorise les cauchemars. La personne dort mal, elle est tourmentée, ok Sur le côté gauche, côté poitrine, côté cœur, ça oppresse justement le cœur. Le meilleur côté pour s'endormir c'est le côté droit la meilleure position c'est d'être sur le côté droit Allahu Akbar le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous l'a enseigné plein de choses comme ça et le jeûne c'est pareil ils viennent dire aujourd'hui oui le jeûne est bon pour la santé mais le jeûne a été prescrit d'accord oui et même plus que le jeûne de manière générale est bon pour la santé ils disent les médecins kofar euh, un mois jeûner un mois dans l'année c'est la purge idéale pour le pour le corps et plein d'autres choses comme ça il y avait même vu un, un, un reportage un jour, je, je redévis du jeune mais c'est important sur la prière, sur le fait de prier. Enfin, c'était pas réellement la prière mais en fait des chercheurs avaient aussi fait des tests avec les mouvements de la tête par rapport à la prévention contre les AVC. Ah. Et énorme euh, quand la nous en préserve. Et en vérité, le fait que le sang comme ça, vous savez descendre parce que quand on est debout le sang il est dans un dans un certain circuit, d'accord. Quand on passe en recours le sang circule différemment à la tête et quand on part en soujoud encore différemment eh bien cet exercice qui n'est absolument pas de la gymnastique il y a une intention et c'est une adoration c'est un culte mais cet exercice là ces mouvements là eh bien sont bons pour la santé dire que le corps soit dans telle et telle et telle et telle position comme ça que le sang circule comme ça c'est très bon pour l'irrigation du du cerveau d'accord surtout ça a été aussi expliqué par ces gens-là surtout euh, tôt le matin donc on parle de quoi De la prière d'Al-Fajr. Peu le matin. C'est-à-dire en fonction des gens, soit avant de dormir, comme ça, ou alors en, en se levant. Tout dépend à quelle heure elle est. Mais c'est bon. Bon pour la santé que, que le corps euh, bouge de cette manière-là. Allahu Akbar. Et ils font le rapprochement, petit à petit, comme ça, avec la prière des musulmans, effectivement, parce qu'eux, ils font ça comme ci et comme ça. Plein de choses comme ça. Mais on pourrait décrire toute la législation musulmane, toute la pratique de notre din, tout, et ne trouver que pureté, et respect du, du, du corps et de l'esprit. Donc il n'y a rien de négatif dans Dina al Alhamdulillah. Et ils se rendent compte, ils les écrient petit à petit, et qu'Allah les, les guide. Donc effectivement, ce jeûne comporte nombre de bienfaits pour la santé du corps. Hein. C'est un réel repos pour l'esprit, pour le cœur et pour le, pour le corps à proprement dit. Les reins, euh, le, les, les intestins etc. 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 C'est nécessaire. Et même en dehors de, de Ramadan, c'est nécessaire de, de temps en temps jeûner, voire même d'éviter la nourriture et de faire un jeûne, comme on dit, hydraulique, c'est-à-dire qu'à calot toute la journée. C'est très bon pour le corps. On n'est pas fait pour manger, 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 manger tout le temps et surtout dans des quantités et surtout ce qu'on mange dans cette société de nos jours. Donc ça, c'était quelques sagesses énoncées ici en introduction de Boulour El Maram. Le jeûne est donc une adoration éminente, qui regroupe toutes les caractéristiques du bien et éloigne toutes les caractéristiques du mal. Et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit aux communautés précédentes, quand il dit comme on l'a cité avant Ô vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Pourquoi ici on parle de piété, le jeûne le favorise favorise le bon comportement, le jeûne favorise la piété. Le jeûne, en fait, ici, il est nommé comme tremplin, comme ont expliqué les savants, comme tremplin pour atteindre la piété. D'ailleurs, on le voit, d'ailleurs, on le voit. Pour ceux qui sont sérieux, Inch'Allah dans leur din, on le voit. Un jour, et les salafs le disaient aussi, un jour de jeûne doit être différent d'un jour non jeûné. Ça ne veut pas dire que quand on ne jeûne pas, on fait n'importe quoi. Ou bien alors qu'on va se ranger dans la catégorie des gens dits les ramadanistes, ou, vous comprenez, c'est un mot qui n'existe pas, vous avez compris. Des gens, ils prient que quand il y a un ramadan. S'abstiennent entre guillemets des péchés que du que de l'aube euh, au coucher du soleil après c'est haram toute la nuit ou alors non ils s'abstiennent tout le mois mais ils reprennent dès les passé. ou le jour du Eid même on ne parle pas de ça on parle des gens qui inchallah sont sincères et sérieux dans leur din mais qui témoignent d'une certaine différence pourquoi parce qu'il y a le jeûne le jeûne oui il purifie le corps mais il canalise aussi l'esprit et il fait monter la foi et c'est ce qui est écrit ici oh, vous les croyants pourquoi on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous afin que vous atteigniez la piété afin que vous soyez plus pieux plus éloignés des péchés plus proches des actes d'obéissance plus en connexion avec Allah subhanahu ça sert à ça Et c'est pour ça qu'on le ressent c'est-à-dire même pour ça que les grands désobéissants reviennent effectivement peupler les mosquées reviennent prendre un peu de science et reviennent être euh, reviennent parmi les gens de piété et de bien pendant Ramadan. Et là ils sont sincères parce qu'il y a ce jeûne justement mais après ils l'ont pas utilisé, bonne sur, ils l'ont pas pris comme tremplin, après ils délaissent tout tout de suite. C'est un problème d'intention aussi de rigueur. Mais à la base c'est ça le jeûne. C'est un tremplin pour la piété, d'accord Ça ne veut pas dire que quand on ne jeûne pas, on va pas faire d'actes de bien, on n'a que du mauvais, on fait que les péchés. Non, et qu'on se fiche d'Allah Azawjel. Non. Mais le jeûne favorise cette piété. Donc faut l'utiliser. Euh, comme ça et on le voit vraiment il y a une grande différence d'un jour enfin on l'espère en tout cas parce que si c'est la même chose c'est qu'il y a un problème normalement on doit constater une réelle différence entre un jour de jeûne et un jour non jeûné voilà donc voilà pour cette euh, introduction inchallah brève mais suffisante pour euh, donc introduire euh, Kitab As-Siyam. on va commencer avec le premier thème et le hadith qui s'y rapporte, l'interdiction de jeûner un ou deux jours avant Ramadan. Donc on le sait, hein, à moins, je dis, à moins euh, qu'il y ait des jours à rattraper. S'il y a des jours à rattraper, il faut les rattraper obligatoirement avant Ramadan. Celui qui ne le fait pas, devra rattraper toute façon après. Il y a divergence, divergence parmi les savants. Il y en a qui disent que c'est fini, c'est passé, il fallait le faire avant Ramadan. D'autres que tu peux rattraper quand même après le Ramadan, mais avec des péchés. Parce que tu ne t'es pas acquitté de ce que tu devais en temps et en heure. Mais pour une personne, admettons qu'il y a encore deux jours à rattraper et il reste deux jours avant l'entrée de Ramadan. Bon, on n'a pas encore vu la lune, mais on admet que. Et on sous-entend que. Bon. Donc. Là, la personne, elle est dans un cas de contrainte. Elle devra alors jeûner même les deux jours avant Ramadan. Mais c'est le jeûne spontané, nafila, comme ça. Si on n'a pas d'obligation, d'accord On n'a rien à expier, on n'a rien à rattraper, et on se dit « je vais jeûner comme ça ». C'est interdit, sachez-le. C'est interdit de jeûner un ou deux jours avant Ramadan, car Abi Hurayra, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « n'anticipez le mois de Ramadan ». Par le jeûne d'un ou deux jours, excepté pour celui qui a l'habitude de jeûner ces jours, dans ce cas qu'il le fasse. Le hadith, il est authentique. C'est-à-dire, une personne euh, qui ferait par exemple le, 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 le jeûne du lundi ou du jeudi, ou qui jeûne comme Daoud, à savoir un jour sur deux. Ça, c'est une habitude. Ça, c'est une habitude. Ça n'a rien à voir. Mais jeûner spécifiquement un ou deux jours avant Ramadan, non. D'accord aussi afin de marquer une séparation, je dis, je précise, entre un jeûne surrogatoire du jeûne obligatoire. Qu'on ne confonde pas l'entrée de, euh, de Ramadan avec euh, ce qui a été fait de manière nafila avant. Donc enseignement du hadith, on y voit l'interdiction d'anticiper le mois de Ramadan par le jeûne d'un ou deux jours. Et l'intention apparente des propos montre le caractère haram, illicite de la chose. Mais nombre de savants l'ont considéré comme une réprobation. D'accord Ceux qui l'ont interdit ont considéré l'intention et ceux qui l'ont réprouvé ont considéré l'exception. Deuxièmement, la permission est accordée de jeûner à celui pour qui les jours précédents ramadan correspondent à des jours qu'il jeûne régulièrement. Comme le jeudi, je vous disais, voilà, le, le lundi ou même le jeûne de Daoud. Et cette permission rencontre l'unanimité des, des savants. Il n'y a pas de divergence à ce, à ce sujet. Admettons que. Ramadan aurait commencé le mardi la personne qui a l'habitude de faire le jeûne mais l'habitude hein, c'est pas elle l'a fait une fois c'est elle le fait tout le temps toute sa vie comme ça elle jeûne son lundi quand même même si Ramadan entre le lendemain troisièmement la sagesse en cela wallahu alem donc la sagesse en l'interdiction c'est la distinction entre les adorations obligatoires et surérogatoires comme je vous le disais précédemment ainsi que la préparation pour le mois de Ramadan avec un certain entrain et désir si on est comme ça dans le jeûne 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 il n'y a pas Yanni, cette cette sensation, hein. c'est comme je pense vous avez senti la même chose le premier jour de Ramadan. Il a une certaine saveur inégalable avec les autres jours. On ne dit pas que les autres jours n'ont pas de saveur, mais le deuxième, le troisième, c'est différent du premier. Le premier jour du mois de Ramadan, c'est quelque chose, c'est quelque chose de fort, de très fort. Non. Donc il faut marquer aussi Yanni, donc voilà la séparation entre les actions euh, surrogatoires et obligatoires et puis aussi euh, être euh, être conscient, voilà, que c ça a une certaine spécificité, ce premier jour de jeûne, hein, qu'on ait de l'ardeur la, de et du désir et de la joie à le faire, et non pas qu'on se dise, bon voilà, ça fait déjà cinq jours que je jeûne avant, bon, euh, voilà, le, ça ne fait qu'un sixième jour. Non, c'est important que ce soit le premier jour, notamment. Hein. Ibn Hajar a été d'avis que la sagesse en cela, et que les règles du mois de Ramadan sont liées à l'observation de la nouvelle lune aussi. Ainsi, celui qui devance cela d'un ou deux jours aura transgressé cette règle. jeûne avant l'entrée de la lune, en fait. On peut également ajouter, parmi les sagesses, la réprobation de l'exagération dans la religion et la transgression dans les limites imposées par Allah, c'est-à-dire ceux qui veulent un petit peu en faire trop, en vérité. On vous a dit un mois de jeûne, il dit non, je vais jeûner deux jours de plus avant pour faire 32 jours. Moi, je suis meilleur que les autres. Donc, il y a une part comme ça aussi. Quatrièmement, pour celui qui doit s'acquitter d'un jeûne obligatoire, soit de jour manqué du mois de Ramadan passé, soit en raison, hein, je disais, d'un un, un serment, une expiation, quelque chose, un vœu pieux, où ce jeûne ne sera pas une permission, même, mais une obligation. Car l'accomplissement de ce qui est obligatoire prend le pas sur ce qui est détestable. Donc, en vérité, c'est pas pour lui, il lui est permis de jeûner deux ou trois jours avant. C'est obligatoire. S'il est dans un cas où c'est maintenant ou jamais. Non. Cinquièmement, le Hadith ne mentionne qu'un ou deux jours, car c'est le plus courant chez ceux qui le pratiquent. Et concernant le jeûne de la deuxième moitié du mois de Shéabane, et les quinze derniers jours, euh, Cher tarqiyat a dit et il n'est pas réprouvable de jeûner les dix derniers jours de Sha'ban pour la plupart des savants. Sans, bien sûr, approcher aux deux derniers jours de Ramadan. Mais il n'y a pas de mal à jeûner la deuxième partie du mois de de Sha'ban. Pas forcément, il n'y tout en entier. Mais il y a un voilà, ou les dix derniers jours, ou un jour comme ci ou comme ça. Non. L essentiel c'est de ne pas jeûner Sha'ban en entier. Sixièmement, le jeûne a été imposé en trois étapes. La première est l'imposition du jeûne du jour de Ashura. La base c'était ça. Il n'y avait pas ramadan obligatoire. Par contre, il y avait un jeûne obligatoire. Un seul jour. C'est le jour de Ashura. Par rapport à Moussa. Hein, et la perte de fer. Ce jour a été changé. C'est-à-dire annulé de son titre obligatoire. Il est maintenant surérogatoire. Et le mois de ramadan est venu remplacer. D'accord Donc à la base, le prophète a ordonné de jeûner Ashoura. La deuxième étape dans le jeûne, ça a été l'imposition du jeûne du mois de Ramadan. Mais, il y avait le choix. Il y avait le choix encore à cette époque-là. Soit on le jeûne, soit on s'acquitte d'une compensation. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, la compensation consiste à nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est un bien pour lui. Mais il est meilleur pour vous de jeûner si vous saviez. Donc ça, c'est le délire apporté ici. Pour dire que ce n'était pas une obligation, mais c'était mieux, préférable. Il est meilleur pour vous de jeûner si vous saviez. Troisièmement, c'est la confirmation de l'imposition du jeûne du mois de Ramadan, sans possibilité de choisir entre le jeûne ou le versement d'une compensation. À part pour la personne qui est réellement, euh, excusez, c'est pas simplement elle trouve cela difficile. C'est, on connaît, hein, les empêchements, les empêchements liés aux compensations, au rattrapage. Il y a ni une... enceinte, allaitante pour les femmes, le voyage, la maladie et autres. Non. Donc troisième étape dans le jeûne, la confirmation. Allah subhanahu wa ta ta'ala dit dans le verset qui suit dans sourate al baqarah dans le sens à savoir le 185, c'est au cours du mois de Ramadan que le Coran a été révélé comme guide pour les gens et preuve claire de la guidée et de discernement. Quiconque d'entre vous voit arriver ce mois, qu'il jeûne qu'il jeûne, c'est-à-dire c'est une injonction, c'est une obligation. La sagesse dans cette progression de la législation, à savoir au début juste un jour, un petit jour simplement, puis l'enjoint à jeûner un mois, mais ce n'est pas obligatoire, puis l'obligation de jeûner le mois, cette sagesse, c'est que le jeûne comporte certes une certaine difficulté, et c'est pourquoi elle est imposée progressivement. Afin de ne pas, je dis, traumatiser les gens. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé 13 ans à n'appeler qu'à a L'étape la plus difficile, il fallait que les gens délaissent leurs passions, délaissent leurs idoles. Et c'est pour ça que ça a demandé 13 ans. Avant même de leur dire non, ne fournit pas, non, ne bois pas, il y a la salade, il y a le jeûne. D'accord il y a en cela, cette sagesse, aussi un enseignement pour tous ceux qui se disent prêcheurs. Et je le rappelle, je l'ai dit dans un rappel récemment, prêcheur n'est pas forcément celui qui est imam, qui officie dans une mosquée, qui donne des cours, qui a une tribune, qui est écouté. Non, c'est toute personne qui s'avance vers les gens, ou une seule personne même, soit ta famille, un ami ou un inconnu, et qui prend la parole pour défendre le din d'Allah et mettre en avant les principes de la religion. Oui. Eh bien, les choses, notamment quand on parle à des gens, soit musulmans, mais très loin de din, qui voilà ne pratiquent rien, ou bien quelqu'un qui s'intéresse à l'islam parmi les Koufars, ou un, un, un converti, tout frais, tout récent. La sagesse et le bon comportement, c'est la progression. Tu peux pas arriver, ça, les savants ont toujours dit, notamment chez el Bani, je me rappelle, Rahim Allah, tu peux pas arriver et dire à une personne, halal haram, halal haram, halal haram, wajib, mustahab, fais comme ci, fais comme ça, pour finalement faire atteindre à la personne le niveau que tu espères peut-être pour toi-même, et que toi-même tu as peut-être même pas atteint. Tu as peut-être dix ans de dînes, toi, 10 ans, 10 ans de pratique, donc de cheminement, de progression. Souviens-toi ton premier mois. Ta première année, tes deux premières années, où en étais-tu Où en étais-tu Alors aide la miséricorde et sois doux avec les gens. La personne, elle rentre dans le dîner à l'islam depuis 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 6 mois. C'est pas comme si tu parles à quelqu'un qui a 20 ans d'islam. Il n'a pas les mêmes connaissances dans leur Donc s'il fait une erreur, corrige-le avec douceur. Beaucoup de jeunes convertis disent notamment, convertis ou, il ou des musulmans même qui n'ont pas appris leur din, hein, quand je dis ça, des, disons des, des musulmans débutants et ignorants. Disent... Euh, je te... C'est grâce à toi si tu lui donnes le bon conseil, il est content, etc. Il te dit c'est grâce à toi. Tu dis non, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à Allah, puis à moi si vraiment tu veux me mentionner. Alors après, il ne retient pas toujours, et il dit ah c'est grâce à toi, grâce à Allah, et à toi. Tu lui dis non, tu m'as fait égal à Allah. Et c'est grave. Tu lui dis voilà, c'est une, une sorte d'association, donc ce n'est pas correct. Écarte-toi du shirk même dans les propos. Mais il faut lui dire avec gentillesse, tu lui dis non, c'est grâce à Allah tout court. Inutile de me mentionner, mais si tu veux me mentionner, rajoute thumma puis et non pas wa et tout simplement. Et à force, ça rentre. Mais c'est une erreur qui revient souvent. Et la personne, elle ne veut pas en cela euh, élever la personne ou bien euh, associer à Allah. C'est simplement qu'elle a fait une erreur parce qu'elle est ignorante cette personne là de base dans le raqida. Eh bien, ça s'explique avec douceur. On lui fait la remarque et ainsi de suite. C'est qu'un exemple, hein? Ça. Il y en a plein, il y a des dizaines, il y en a des centaines, il y en a des milliers d'exemples. faut reprendre les gens avec douceur quand ils débutent. Pour ne pas les faire fuir. Pour leur donner envie d'apprendre plus sur Dean. Et leur expliquer, leur expliquer, leur expliquer. Et se souvenir. Donc il y a aussi de la progression hein, dans l'accomplissement des choses. Dans la prière, dans le jeûne, etc. Regardez la sagesse. Bien que maintenant, on ne peut pas dire à une personne, tu as le choix entre euh, prier ou ne pas prier, jeûner ou ne pas jeûner. Non. La législation, elle est achevée Maintenant, c'est comme ça. Mais... On retient de cette progression dans la législation, la progression dans, dans le prêche, et dans l'annonce des choses, ou dans l'imposition des choses. Une personne qui revient vers Din, qui ne connaît rien du Tawhid, mais admettons, il, elle revient vers Din, elle commence à poser des questions, elle s'intéresse, cette personne-là est encore dans la zina, et encore dans la musique, etc. La priorité, c'est de lui faire comprendre la là C'est pas de lui dire obligatoirement, directement et tout de suite, bien sûr, il faut qu'il qu ou qu'elle stoppe. Soit un homme, un une femme, un frère, une soeur, c'est important. On ne peut pas laisser les gens comme ça. Mais le prophète salam, réglait les choses les plus importantes en amont. C'est-à-dire le shirk akbar, le coufre akbar. Il faut chasser ça de suite. Puis le shirk mineur. Même le prophète a salam, et on l'apprend dans Kitab ou Tewahid, il s'est tué un temps, un temps, hein, pas toujours. Il s'est tué un temps sur un shirk mineur. Parce que la priorité était ailleurs. Voilà. Donc, c'est important de comprendre. Donc, que dire Que dire des, des, des péchés parmi les cabarets La personne, elle est là, elle écoute la musique, ou elle fait zina, ou ce que vous voulez, elle boit l'alcool. C'est grave. Mais le problème est ailleurs, dans un premier temps. Il faut que la personne s'ancre dans la ila ilallah qu'elle quitte le couffle et le shirk. Et après, on passera à autre chose. Vous avez compris Donc, c'est important. T'as des gens, malheureusement, dès qu'une personne s'intéresse à Din, ils veulent la mettre à niveau directement. Il faut qu'elle arrête tout il faut qu'elle accomplisse tout. C'est trop lourd pour l'âme, et la personne fuit. Donc, le prêche, il est bord Il, sert à rien, en fait. Voilà. Wallahu Donc, voilà, c'était pour la, la, sagesse et la petite explication par rapport à la progression. Toujours y aller crescendo. Mais c'est comme ça, même quand on commence à donner le conseil, même dans le couple avec un enfant. Pourquoi on dit à l'enfant, n'attendez pas dix ans pour leur parler du siyem, pour leur parler d'un salat? Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que c'est trop lourd d'un coup. Dix ans de sa vie, y a rien, et d'un coup, c'est la salat, c'est le siyem, sinon, je suis pas content avec toi. C'est quoi ça Tout doucement, progressivement. Tu fais comme ça un petit jour, un jour de jeûne, même pas, une moitié, une matinée de jeûne au début. Une matinée de jeûne, khlas Il coupe à midi, il est content. Il fait, j'ai fait le ramadan avec vous, il est content. Il dit, j'ai fait le ramadan avec papa, il est content. Nah, après l'après-midi, une journée, deux jours, trois jours, et ainsi de suite. Pareil, une prière, deux prières, trois prières, et ainsi de suite. Le hymne, c'est pareil, une petite histoire sur les prophètes, puis un cours sur les théories et ainsi de suite. Et tu apprends comme ça les, les, les piliers de, 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 de l'islam et les branches de la, de la foi, etc. Les niveaux dans la religion, les trois degrés dans la religion, etc. ainsi de suite. Pareil avec une épouse qui ne serait peut-être pas ardente dans la science, ou bien une épouse envers son mari qui voudrait un petit peu comme ça booster son mari parce qu'il n'est pas assidu dans la science. C'est pas avec des critiques, c'est pas avec des missiles et des pics qu'on réforme les gens. Tu donnes, cette femme-là, elle ne s'intéresse pas trop à Dean, tu lui donnes un petit flyer au début, un petit livret sur le tawhid. Sur le comportement de la femme musulmane Tu lui dis, lis ça quand tu as le temps Puis petit à petit, elle va peut-être le lire, elle va peut-être aimer Elle va te demander après de lui acheter un livre un peu plus conséquent Avant de se dire, elle va attaquer une encyclopédie Ou, où... <laughs> ah mais elle va euh, Elle va lire le, 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 le Tafsir d'Ibn Kafir en dix volumes Non, et puis euh, pareil pour un Un mari, si c'est un mari comme qui est bon Et la femme elle l'aime, elle a des sentiments pour lui Doucement, il a des péchés, il a des manquements Tu lui fais le rappel avec douceur Et progressivement, pour essayer de le faire changer Voilà et lui faire écouter un rappel, tu dis viens bah dans la voiture, j'ai pris une clé USB, on va écouter un, un petit rappel, voilà, et on choisit le moment, profiter de Ramadan aussi. C'est l'intelligence, profiter de Ramadan parce que c'est un moment où, voilà, il y a le rappel d'une et tout, et c'est comme ça. Entre voisins, dans le couple, avec les enfants, avec les inconnus, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Cheikh Aymin, il disait, le da'i, le prêcheur, oui, il faut l'ilm, oui, mais il doit avoir l'intelligence, la sagesse. Il y en a, ils ont de l'ilm, hein. Ils ont l'im, il n'y a pas de problème. Ils ont de la science, ils ont l'arabe, ils ont le... ce que vous voulez. Ils ont beaucoup de science. Mais zéro sagesse. Walou, le hikma, c'est la chouma. Wallah, ils ne connaissent rien à ça. Ils n'ont pas l'intelligence. Ils n'arrivent pas à capter les gens. Ils déposent le haq comme on déposerait dire euh, une palette dans une entreprise, comme ça, dans un dépôt. quoi. Ça fait boum. Le haq ne se dépose pas comme ça. Le haq, il se dépose avec sagesse, avec intelligence et avec douceur. Vraiment, c'est très important. Il ne suffit pas de connaître la vérité, il faut savoir l'amener aux gens. Et c'est ça qui fait toute la différence. Wallahu Jalla Jeûner le jour de doute, le prochain point. Jeûner le jour du doute, c'est-à-dire ou le jour d'observation, comment on dire. On va voir la lune. il rapporte Celui qui jeûne le jour du doute aura désobéi à Abu qasim Qui est Abu al-Qasim C'est le prophète, Muhammad. C'est sa kounia, son fils, son fils s'appelait Qasim, comme moi, oui, naam. C'est une des raisons aussi pourquoi j'ai choisi ce prénom, Qasim, c'était un de ses fils décédés, jeunes. Et il avait pris donc cette kounia, Abou Qasim, père de Qasim, hein. Abou c'est père, père de naam. Donc, interdiction de jeûner le jour du doute, et le hadith, il est authentique, rapporté par Abidaoud. Enseignement de ce hadith, on y voit clairement l'interdiction de jeûner le jour... Du doute, le jour d'entrée hein, du mois de, de Ramadan. Il s'agit du jour où on ne sait pas si le mois a débuté ou non. Et il s'agit de la nuit du 30 du mois de Sha'ban, si elle passe sans qu'on ait pu observer la nouvelle lune en raison d'un événement empêchant son observation. Deuxièmement, l'interdiction de nous jeûner ce jour, puisque c'est une désobéissance au prophète. Là, le hadith, il est clair, c'est une désobéissance. Et Allah, Azzawajal a dit Ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Troisièmement, le hadith indique la règle religieuse, le principe de base, est que la chose reste telle qu'elle est. Et ici, il s'agit du mois de Shahban, qui perdure tant que l'on doute de sa fin. C'est-à-dire que, non, il n'y a qu'un un, qu un, un, un yaqin qui peut chasser un doute, un échec. Le doute ne prendra jamais le dessus sur une certitude. Donc on est dans une certitude qu'on est dans Shahban, mais on doute qu'on est dans Ramadan, donc on ne jeûne pas. C'est comme la règle avec les ablutions, c'est une règle connue dans le fiqh. D'accord La règle religieuse, c'est au soleil le fiqh, vous l'apprendrez, inshallah C'est une chose connue, à savoir que le doute ne l'emporte pas sur une certitude. Aïshak est plus faible qu'elle J'ai fait les ablutions avec certitude. Il était 10h du matin, il arrive maintenant 14h. Je dis, oh, c'est voir il faut que je prie l'ovar. Non. j'ai un doute. Est-ce que j'ai eu un gaz Est-ce que j'étais est aux toilettes non, mais j'ai le doute simplement, je n'ai pas une certitude. Le doute sera balayé et on restera sur al que j'ai fait les lodo, les ablutions. Ben là c'est pareil, on doute qu'on est dans un ramadan, on jeûne pas parce que la certitude c'est Sha'ban. Wallahu A'lem. Donc il s'agit du mois de Sha'ban qui perdure tant que l'on doute de sa fin et que l'entrée du mois de ramadan n'est pas encore arrivée. Fin de citation. Jeûner, jeûner, prochain thème, jeûner et rompre à la vision de la nouvelle lune. Ibn Omar, radiallahu anhum, rapporte « J'ai entendu le Messager d'Allah, sallallahu alayhi wa dire « Si vous la voyez, c'est-à-dire la lune jeûner, et lorsque vous la voyez de nouveau, rompez le jeûne. Si elle vous est cachée, estimez le nombre de jours. » Donc à 30. Le hadith, il est authentique et rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Muslim rapporte « Si elle vous est cachée, en ajout, comptez 30 jours. » Al-Bukhari rapporte compter à 30 jours. Et il rapporte également d'Abi al radiallahu anhu, complété à 30 le nombre de jours du mois de Sha'ban. Et c'est sahih. Enseignement donc du hadith l'obligation de jeûner le mois de Ramadan si la nouvelle lune est observée. Et l'obligation de rompre le jeûne si la nouvelle lune du mois de Shawwal est observée également. Donc, hein, en réponse, on jeûne quand et pourquoi, etc. C'est à l'entrée de la nouvelle lune qu'on jeûne, le nouveau croissant, et à la vision aussi de la nouvelle lune du nouveau croissant qu'on rompt le jeûne. D'accord Donc il y a obligation si la lune est visible, a été vue. Deuxièmement, la recommandation de propager la nouvelle. Du début et de la fin du mois de Ramadan de la manière la plus grande et la plus rapide. Aujourd'hui, le ça c'est bien avec Internet, ça c'est une bonne chose. Internet, hein, c'est un fléau et ça comporte bon nombre de, de, de toxicité, mais ça c'est bien. Euh, on peut le répandre bien sûr dans le quartier, à la famille, à la mosquée et tout, mais avec Internet, on peut le répandre au plus grand nombre vraiment. Donc euh, ça c'est une recommandation de propager de la nouvelle et de pas le garder pour pour soi. Troisièmement, le jeûne et la rupture. Sont liés à l'observation de la nouvelle lune. Donc, ainsi, on ne jeûne ou on ne rompt le jeûne qu'à l'observation de la nouvelle lune, à l'œil nu, même en utilisant un outil permettant le grossissement de la vision, car cela est considéré comme une observation à l'œil nu. Par contre, les calculs, non. C'est pour ça que on n'est pas d'accord avec les gens qui utilisent les, les calculs. Tu prends les jumelles, tu prends les télescopes ou tu prends ton œil, ça, c'est ce qu'on utilise, c'est la sunna pour euh, dire si on entre. Dans le mois de Ramadan, ou bien on entre dans Shawwal, donc c'est-à-dire que c'est le, 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 le Eid. Le Eid, c'est le premier Shawwal. Donc, ça c'est notre base dans le Din. Et il y a des gens qui sont arrivés en parlant de calcul, etc. Et ils viennent dire, pour snober un petit peu les, les musulmans, les musulmanes qui s'attachent à la sunnah, mais de toute façon, à chaque fois qu'on donne euh, l'entrée, en, la date avec le calcul, on ajuste et vous vous calquez sur ce que nous on dit et vous voulez quand même rester sur votre vision, vous êtes vraiment arriéré, je me rappelle, Hassan Irkousen, le guide, il parlait comme ça, vous êtes vraiment arriéré, vous, euh, vous voyez bien qu'on a raison, les années l'ont prouvé, etc., mais vous restez quand même sur votre vision, à tout prix, la Sunna, la Sunna, et ils disent que c'est débile. Ce n'est pas une question, en fait, que leurs calculs sont faux, parce qu'effectivement, par rapport à leurs calculs astronomiques, il y a une part de vérité. On ne peut pas dire ici que leurs calculs sont inexacts. C'est du travail, c'est de la technologie de pointe, etc. C'est bien fait. C'est pas la question. Mais c'est que nous, on veut respecter la soudna. C'est-à-dire, continuer cette tradition. Et ne pas changer les choses. Et ne pas innover. C'est une innovation, en fait, ce calcul-là. Tout simplement. Même s'il est juste. On n'est pas en train de dire, en fait... On est... Jamais un Soudni, jamais entendu même un savant dire le calcul, il est faux. On est en train de dire que c'est pas la soudna. Donc, il fallait attendre. Parce que là, il l'avait annoncé pour le 6, hein. Ils avaient annoncé dans leurs calculs, c'est le 6 euh, mai 2019, le mois de Ramadan, l'entrée le premier Ramadan. D'accord. Mais il fallait pour cela attendre quand même la vision de la lune au 5. Ou bien plutôt la non-vision, le 4, pour avoir la confirmation, le 5. Et elle a été vue, a été vue le 5, notamment Fissi Vous comprenez hein Donc, c'est rien de dire, oui, non, ils sont arriérés, ils ne nous, nous font pas confiance. Ils disent la date. Il n'y a pas de problème. Mais nous, on reste attachés à une sodna. C'est tout ça, ça s'arrête ici. Ça serait comme dire aujourd'hui... Euh, non, le rhamis, c'est arriéré, c'est dépassé. Ou la barbe. D'ailleurs, il critique la sauna sous tous ses aspects par rapport à ça. Non, la barbe, ça sert plus à rien. Le rhamis, ça sert plus à rien. Et ceci et cela. C'est la sauna. Ou bien, ceux qui vont se moquer même du siwok. Et celui qui se moque du siwok, c'est un kafir. Celui qui se moque de cette sauna là. Et aujourd'hui, on a des brosses à dents. Oui, il y a des brosses à dents. Et oui, on peut les utiliser. Et oui, c'est prouvé que ça brosse les dents. Pas de problème. Mais le siwok est une sauna. Et le qamis c'est le vêtement préféré du prophète. Et la barbe, naam, et ceci, et cela. D'accord Il y a plein de sunan. Et en général les khwan ils se moquent des sunan. Comme par exemple dire, on va commencer à enfiler la chaussure droite, puis la chaussure gauche. Et quand on se déchausse, la chaussure gauche avant et après la chaussure droite. La chaussure droite est toujours le pied droit pardon est toujours honoré. Il est chaussé en premier, déchaussé en dernier. non On va dire quoi Ça c'est stupide aussi. Voilà. Les gens, ils parlent comme ça, Les gens qui ont peu de foi et peu d'amour pour la Sunna, ils parlent comme ça. Mais non, nous, on s'y attache parce que c'est la Sunna. Donc, aussi vrai qu'on va faire ça avec les, les pieds, l'ordre de, 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 de... Pour chausser, d'accord Aussi vrai qu'on le fera avec le Siwak, aussi vrai qu'on le fera avec la vision de la Lune. C'est ce qu'il y a à leur répondre à ces gens-là qui disent, mais non, il y a des calculs aujourd'hui. Oui, mais nous, on aime la Soudna. Nam, là nous fasse aimer la Sunna, parce que, près du bassin, il n'y a que les amoureux de la Sunna qui se trouveront auprès du prophète. Et où seront ces gens-là qui ont critiqué la Soudna Où seront-ils les amoureux de la République et de la facilité et compagnie. Ouallah al-musta'in, qu'Allah les guide et nous guide. Quatrième point, voilà, l'observation à la une de Quatrième point, si lors de la nuit du 30 de Chaban, des nuages, de la poussière ou autre empêchement bloque l'observation de la nouvelle lune, on complète le nombre de jours du mois de Chaban à 30. On dit qu'on est à 30 de Chaban, et on ne doit pas jeûner en ce jour. Ceci car le principe de base est la certitude, donc, qui serait que le mois de shaban perdure alors que l'on doute qu'il soit fini. Et le doute ne l'emporte pas sur une certitude comme on a énoncé la règle. On ne peut pas passer d'une chose certaine qu'à ce qui est similaire. Il n'y a qu'une un, qu yarkin qui peut contre, contrer une autre yarkin. D'accord J'ai la certitude d'avoir fait le j'ai la certitude maintenant d'avoir perdu le wodo. Ça annule la première certitude. De même, certitude qu'on était dans chaban certitude qu'on est sorti puisqu'on a vu la lune. Donc il n'y a que la chose certaine qui peut passer euh, outre une autre chose certaine. Les doutes et les probabilités ne peuvent prendre le dessus et le pas sur la certitude. C'est très important cette règle. Je répète, les doutes, les probabilités ne peuvent pas prendre le pas sur la certitude. C'est la même une base hein, par rapport aussi au Wessowis et au mauvais soupçon. Tu as des west ça va se passer comme ça, et à ceci, à cela, ou mauvais soupçon. Non, il nous faut des, des add il nous faut des preuves, il nous faut une certitude. Que ce soit pour ta propre personne, si tu doutes de quelque chose ou que ce soit même pour accuser euh, autrui. C'est pour ça qu'on dit que le mauvais soupçon est le plus mensonger des propos. Tu penses que... Tu as des doutes, que des probabilités, il se peut que... Mais est-ce que tu as la certitude que cette personne-là, elle a fait comme ci ou elle a fait comme ça Non, il nous faut une certitude. Tu as la certitude que cette personne-là, par exemple, ta femme, est fidèle. Tu as cette certitude-là, c'est la base, elle te l'a dit et tu le vois. Il te faut une autre certitude, qu'elle soit dans l'adultère ou qu'elle t'ait fait tel coup, quel tel coup bas, pour annuler la première certitude. Mais tu peux pas à base de doutes et de probabilités, annuler la certitude que c'est une bonne femme, que c'est une femme noble, que c'est une femme pieuse, parce que tu as des, des doutes. Tu peux pas l'annuler. Parce que le chèque, il est plus faible que ton yarkin. Ça s'applique à tout comme ça. C'est même un traitement pour les Wassawis, cette règle. <laughs> il y a tout dans Ousso de le faire. C'est un traitement contre les Wassawis. Cinquièmement, c'est l'observation qui constitue le fondement légal du jeûne et de la rupture, et non le calcul astronomique sur lequel il n'est aucunement permis de se fonder. Inutile que j'en reparle, j'en ai déjà longuement parlé avant. Sixièmement, la majorité des savants, parmi lesquels Abu Hanifa ou Ahmed, est d'avis que si la nouvelle lune est observée en un lieu, les règles qui en découlent s'appliquent à l'ensemble des gens. Conformément à la parole du prophète Aïssel si vous la voyez, jeûnez. Et lorsque vous la voyez de nouveau, rompez le jeûne. Ça s'adresse à l'ensemble des musulmans. Donc il ne faut pas tenir compte des différents moments d'apparition de la nouvelle lune. Ça a été vu chez Saoudi, c'est bon. Ça a été vu en France, c'est bon. C'est pour ça que là, malheureusement avec le Maroc, ils ont dit non, on fait autrement. Je ne sais pas s'ils ont commencé à jeûner finalement que hier. Wallah le des fois c'est la Turquie. c'est Bon, bref. Normalement, un pays, il le dit, c'est suffisant. Si la nouvelle s'est propagée. Ou alors on reste attaché à l'autorité du pays s'il y a de la fitna et de la divergence. Voilà. Différents, différentes manières de voir les choses. Septièmement. Cheroulislam, Ibn Miya, Rachmullah, il a dit. Les moments d'apparition de la nouvelle Lune diffèrent. Et il y a sur cela un consensus des spécialistes. Ainsi, si le moment d'apparition de la nouvelle Lune est similaire, le jeûne est obligatoire à toute cette région. Sinon, non. C'est-à-dire que si la Lune euh, apparaît à tout le monde en même temps. Mais s'il y a une différence, chacun doit la voir selon sa propre localité. Huitièmement, les principaux avis sur cette question sont au nombre de trois. Le premier est que le jeûne s'impose à l'ensemble des gens. Dès qu'elle est vue quelque part. Deuxième, c'est que le jeune s'impose à ceux dont le moment d'apparition de la nouvelle lune est similaire. Si on voit la lune en même temps, dans telle et telle région, tel pays, on jeûne en même temps. Troisième avis, c'est que le jeune s'impose s'ils sont sous la même autorité. C'est-à-dire si c'est le même euh, commandement, le même gouverneur. Voilà. Admettons, par exemple, euh, après les États-Unis, c'est bizarre et c'est différent parce qu'il y a un État, il y a aussi quand même des gouverneurs pour chaque État, mais as le président, donc Wallahu alem, mais je m'y connais pas en politique. <laughs> mais admettons que ce seraient des régions comme ça, parce que ça a bien changé maintenant, voilà, il y a chaque gouverneur, chaque président avec son pays, et chacun son autorité, mais si c'était la même autorité, admettons pour plusieurs régions, pour plusieurs localités, pour plusieurs pays, ça pourrait s'appliquer. Voilà. Donc, la tro le troisième avis, c'est que le jeune s'impose au au aux gens s'ils sont sous la même autorité. Mais quelle est la pratique des gens aujourd'hui Le plus courant, c'est le dernier cas. C'est pourquoi on peut voir deux pays séparés par quelques mètres, que l'un jeune et l'autre non, ou que l'un rompe et... L'autre, non, car ce pays est sous une autorité et ce pays sous une autre. Voilà. Je, je colle le Koweït, comme ça, le Yémen, le Saoudi et le, le, le pays d'Oman. C'est pas facile. C'est pas facile. Voilà, il y, des, des, y a des limites. Parfois, vraiment, juste un mètre, effectivement. Le, du, du Maroc, parfois, à l'Algérie. Tu as une frontière, tu as un mètre. Non, mais c'est comme ça, c'est une question de, 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 de gouverneur. Et c'est là la vie le plus proche de la pratique, car il n'est pas raisonnable que nous soyons sous la même autorité et que les uns jeûnent ainsi que les autres non. Cela entrave la sécurité amène la division. Mais du point de vue théorique, nul doute que la vie de l'islam est la vie correcte. Nous disons cela d'un point de vue scientifique, mais dans la pratique, nous suivons notre gouverneur. Lorsqu'il ordonne le jeûne, nous jeûnons. Et sinon, non, afin que les gens ne divergent pas et chaque pays garde sa propre observation de la nouvelle lune. Ça, c'est cité dans le fait d'Al-Jalal-Wal-Ikram, euh, justement. Donc, c'est ce que j'avais expliqué par rapport à Saoudi, qui avait dit à la base, oui, c'est pour le 6. Après, on va quand même vérifier, ça peut être le 7. J'avais dit, très bien, si eux, elles le font comme ça, on n'est pas là en train de critiquer, mais nous, on suivra ce qui a été dit en France pour ne pas faire de fitna, pour ne pas être en, en divergence avec l'ensemble, la quasi-totalité des musulmans ici en France. 95, 98% auraient jeûné le lundi 6 et on aurait été un petit groupe encore à part à dire non, nous on jeûne le mardi 7 parce que si, parce que ça, non. On aurait suivi cette autorité, qu'elle soit bonne, mauvaise, soufi Juan, ça c'est une autre histoire, mais on aurait suivi ici les musulmans pour jeûner avec eux et rompre avec eux. C'était la sagesse, c'était ce qu'il y avait de mieux. Voilà. comprenez Et chacun a sa propre observation de la nouvelle lune. Si eux ils avaient dit mardi, eh, voilà. Mais le on est sorti de la Fitna, ils ont dit que c'était lundi, donc ça vraiment tant mieux le Et le neuvième point sur ce sujet et ça marquera donc la, la, la fin aussi de, de, ce, de ce thème, jeûner et rompre à la vision de la nouvelle lune et aussi la fin du cours pour aujourd'hui. Si le jeûne n'est annoncé qu'au cours de la journée, par exemple des gens ont aperçu la nouvelle lune dans le désert, mais sans disposer de téléphone, de télégraphe ou de quoi que ce soit, et qu'ils reviennent du désert au milieu de la journée et qu'ils établissent devant le juge l'observation de la nouvelle lune, doit-on Jeûner à partir de ce moment-là, c'est-à-dire en pleine journée La réponse est que le prophète a dit si vous la voyez, jeûnez. Et là, l'observation est confirmée. Donc, nul doute qu'il faut jeûner immédiatement. Mais faudra-t-il compenser ce jour ou non Puisque les gens ont peut-être déjà commencé à manger et que la nouvelle s'est propagée et répandue que dans la journée, que dans l'après-midi et non pas avant l'aube. La plupart des savants sont donc d'avis que la compensation est obligatoire, puisque les gens ont cassé le jeûne à la base. Mais Taïmia, est d'avis que cela n'est pas obligatoire, car le prophète a lié l'obligation à la vision. Et en ce jour, l'observation n'a été confirmée qu'au milieu de la journée, donc avant rien n'était obligatoire. Et lorsqu'elle a été confirmée, ils ont fait ce qu'on leur a imposé, ils ont jeûné à partir de ce moment-là. Et si l'individu fait ce qu'on lui impose, on ne le cherche pas d'accomplir deux fois la même adoration. Il a fait ce qu'on lui a imposé en un temps déterminé, c'est-à-dire à 14h on lui a annoncé qu'il faut jeûner, il a jeûné. Avant, on ne lui était pas imposé. Donc, son jour de jeûne, finalement, il est, il est plus court et plus facilité et commencerait à partir de 14 h On ne peut pas lui imposer un rattrapage. Ensuite, il est connu que les conséquences des choses illicites s'annulent en raison de l'ignorance. Et là, la personne ignorait que la lune était entrée. En raison de la parole d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala, Surat al-Baqarah, verset 286, dans le sens Seigneur ne nous châtie pas s'il arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Ou encore, adi ibn Hatim récita le verset manger et buvez. Jusqu'à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Verset 186 de la même Sora dans le sens. Donc, tout en ignorant finalement ce verset, tout en ignorant le sens, si bien qu'il mangea après l'apparition de l'aube. Et le prophète Israël, ne lui a pas ordonné de compenser ce jour. Il ignorait le sens euh, du verset, et il a continué à manger après l'apparition euh, de l'aube. De même, les compagnons rompirent le jeûne en un jour nuageux. C'est pour ça, quand il y a des difficultés, des contraintes ou de l'ignorance, les compagnons rompirent le jeûne en un jour nuageux. À l'époque du prophète, puis le soleil est apparu de nouveau. Donc ils se sont dit, on pensait que c'était la nuit, que c'était le marab. Non, c'était les nuages. Mais il ne leur a pas ordonné de compenser ce jour, car ils ne savaient pas. C'est comme tu prends l'oubli aussi. C'est ce qui est parmi les excuses pour couper pendant le ramadan. Si on n'a pas fait exprès, on a oublié comme ça. Tu prends la bouteille d'eau et c'est instinctif et tu dis, tiens, comme ça, là, je, je bois, je mange. Bon. Et d'un coup, tu te rends compte. Bien sûr, il faut cracher ce qu'il y a dans la bouche. Mais on va dire que c'est Allah qui t'a nourri ou abreuvé. Parce que tu n'as pas, de base, voulu boire ou manger. Tu ne savais pas. En fait, c'est une partie de ta raison qui n'était pas connectée avec la réalité sur ce moment-là. Tu as oublié. C'est ça l'oubli. L'oubli, c'est ça. C'est qu'on n'est pas en phase avec les choses. Ce qui est réel Non. Donc ce ne serait pas compté comme un annulatif euh, du jeûne. De la même manière, là, pour tous ces cas euh, mentionnés. C'est assez rare aujourd'hui, parce que, bon, des gens qui sont dans le désert, la nouvelle qui est rapportée à 14h, j'ai jamais entendu ça. En général, on le sait le soir, bien à l'avance. Mais bon, c'est bon de le préciser quand même. Voilà pour ce cours, Inshallah, du jour. Et on poursuivra la semaine prochaine sur euh, d'autres thèmes. Tenir compte de la vision d'une seule personne, l'intention de jeûner, Nia. Ater la rupture et retarder le repas de fin de nuit. Donc, ater la rupture, l'iftar et le repas de fin de nuit, c'est suhour, etc. etc. Non. Wallah, subhanahu wa ta'ala, a'lam wa ahkam, subhanahu wa bihamdik, Ash'hadu an la ila anta, wa tubu leika, wa baakallahu fikum, wa salam wa alaykum, wa rahmatullahi wa